T'as pas le choix, tonton. Donc, arrête de trouver des excuses, arrête de remettre à demain des choses, décide qui tu veux devenir et construis ta vie dès aujourd'hui. Et c'est là que tu prends conscience du temps. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, hein, tu connais, abonne-toi les gars. Les gars, faut vous abonner, pourquoi faut que je répète 50 000 fois les gars? Abonnez-vous les gars. Donc abonne-toi, clique sur la cloche, hein. Après tu fais ce que tu veux, mais ça fera toujours plaisir, hein. Considère le fait de pouvoir t'abonner, hein, si ça ne te dérange pas mon excellence, si tu peux t'abonner. Okay. Donc du coup, je m'appelle Jonathan Tachi, si jamais tu viens juste d'arriver, tu ne connais pas, tu sais qui c'est là, je m'appelle Jonathan Tachi. Donc l'idée de cette chaîne, c'est quoi? Comment on fait? Pourquoi on est là? C'est quoi l'objectif, hein? Donc du coup, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir te permettre de pouvoir être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, et pour ça, il faut de l'argent. Ah oui, parce qu'à un moment donné, les gars, oui, l'amour d'eau fraîche, je sais pas quoi. L'argent règle tous les problèmes, tonton. Ok? Enfin, tous les problèmes. En tout cas, tous les problèmes que tu as là aujourd'hui, les problèmes dont tu penses, les problèmes dont on a marre là, en ce moment là, que tu as là, la plupart du temps, 90%, ça se règle avec l'argent. Si tu avais un petit billet, ce serait réglé directement. Ok, donc du coup, les meilleures opportunités, ben, sont sur Internet, hein, ou sur l'Internet qui arrive, le nouvel Internet qui est la blockchain. Donc dans tous les cas, les gars, faut vous renseigner, les gars. On peut pas être là. Tu peux pas là en ce moment là être là comme ça, comme si tu marches dans la vie comme ça, comme si de rien n'était. Tu passes à côté de toutes les opportunités. C'est un truc de balade. Ok, donc déjà première chose que tu dois faire, c'est de cliquer sous le lien qui est juste en dessous. Ok, dans la description, où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. Ok, donc je te montre exactement stratégie, qu'est-ce que j'ai vendu, comment j'ai fait, étape par étape, tout est transparent, tu vois tout. Déjà, ça c'est la première chose que tu vas faire. Ok. Donc après, tu es libre de le faire, hein. Tu fais ce que tu veux après, si jamais tu veux. Si jamais tu sais déjà comment faire 20K en une semaine, bon bah, pas la peine, hein, j'ai envie de te dire. Et même si tu sais en vérité, c'est toujours bien de voir parce que il y a toujours des petits tips, des petits conseils, des petits trucs que tu peux dire, ah, ça te donne une idée, tu dis, ah tiens, je vais implémenter ça dans mon business. Bref, donc ça, tu es libre de pouvoir y accéder. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Et les gars, pourtant, j'ai réussi à le faire, je suis libre, etc. Donc arrêtez les gars de trouver des excuses, juste passe à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. La mauvaise conception que l'on a et qui nous met des bananes durant toute notre vie. Et quand on arrive à la fin, on fait oh ben mince alors, bah du coup, bah, mais je savais pas, fallait nous le dire ou pas? Vous auriez dû nous le prévenir, les gars. Ouais, mais on te l'a dit tout au long de la vie, on te l'a dit. Hein, donc la mauvaise conception, c'est quoi? C'est genre. Tu sais que moi, constamment, je suis toujours dans la réflexion. Mon cerveau, en fait, il n'arrête pas de tourner constamment, tu vois. Et donc, du coup, quand je vois que je commence à parler tout seul, je suis hop, j'allume la caméra, je fais une vidéo. Que ça, les gars, on va parler tous ensemble, ok. La carotte que l'on se prend tous, mais un truc de malade, ok. Et qui fait que genre, après, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas les résultats qu'on veut, etc. Mais pourquoi, etc. J'ai déjà retourné le truc dans tous les sens. Après, tu me diras ce que tu en penses, hein. Mais j'ai déjà retourné le truc dans tous les sens. Si jamais tu veux avoir des résultats dans le futur, ben il faut passer à l'action maintenant. Ah ouais. Oui, non, mais là, ça te paraît genre logique. Mais regarde bien, personne ne le fait. Personne ne le fait parce que tout le monde a la flemme. Et tout le monde se dit, avec le temps, ça ira, t'inquiète pas. Tu vois. Ou tout le monde compte sur, ah, il y a quelqu'un qui va arriver sur le chemin de la vie, dans le futur, et que du coup, il va pouvoir m'aider, etc. Mais même ça, en fait, ça se travaille dès aujourd'hui. Ça veut dire que si jamais tu veux pouvoir rencontrer des gens, ben ça commence dès aujourd'hui. Tu vois, ça veut dire que dès aujourd'hui, en fait, tu es en train de construire ton futur. Alors, je sais peut-être que tu l'as déjà entendu ou peut-être ça te paraît sensé, mais il y a une différence entre comprendre quelque chose intellectuellement et vraiment le conscientiser et le mettre et se rendre compte que oui, c'est ah ouais. Si jamais tu conscientises là ce que je suis en train de te dire, tu peux pas avoir la flemme en fait. À moins que tu veux que ta vie elle soit comme elle est aujourd'hui toute ta vie. Et c'est pour ça, après on comprend pas, tu vois des gars, ça t'est pas déjà arrivé par exemple, tu revois des gars que ça fait un moment que t'as pas vu, ils sont au même endroit, ils font les mêmes choses au même moment, avec les mêmes habitudes, et ils rigolent des mêmes blagues, il y a rien qu'à changer en fait. Il y a rien qu'à changer. Ben pourquoi? Parce que chaque jour en fait, ils font exactement la même chose qu'ils faisaient hier en fait. Donc du coup, bah, ça va être la même chose, ça va être le même résultat et ils vont être comme ça toute leur vie en fait. Tu auras beau retourner le truc dans tous les sens, tu peux, hein, libre à toi. Moi, j'ai déjà retourné le truc dans tous les sens, il n'y a pas d'autre solution. Le futur que tu veux aujourd'hui, il faut le créer aujourd'hui.
que ça veut dire quand les gens viennent, hey, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de créer mon futur là. Je suis en train de créer demain ce que j'aurai en fait. Et donc du coup, quand tu vois les choses comme ça, bah déjà tu vois les choses différemment, tu vois. Parce qu'en fait, gars, y a pas d'autre solution. Là, moi, avec ma chaîne YouTube, je suis en train de créer dès aujourd'hui ce que je veux demain, tu vois. Ce qui je veux devenir demain. Il n'y a pas d'autre solution que de faire une vidéo et d'être productif sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Tu vois, si jamais je veux avoir une grande influence, même basculer, si jamais ça se passe bien, en tout cas, c'est le projet de basculer après sur les States et de faire du contenu genre, je sais pas encore exactement si ce sera du contenu genre en anglais et que je sous-titrerai en français. Ou est-ce que... je pense que ce sera plutôt un truc comme ça. Mais bon, bref, en tout cas, c'est la vision que j'ai, tu vois. J'ai envie de basculer tout ça. Et pour pouvoir accéder, par exemple, pouvoir faire des interviews, parce que tu sais que moi, j'aime les interviews, faire avoir des conversations avec des entrepreneurs ou même tous les sujets qui m'intéressent, hein, que ce soit relations de femmes, santé, et argent, investissement, tout ce qui concerne, en fait, tous les sujets qui m'intéressent, voilà. Et bah, du coup, plus j'aurai de l'influence avec ma chaîne YouTube, plus facile ce sera de pouvoir interviewer les gens que j'ai réellement envie d'interviewer, tu vois. Pour arriver à un stade où même là, tu peux même rencontrer Will Smith, hein. Ça me fait penser à l'influenceur français là qui est Boris Becker, tonton. J'ai vu à un moment donné, il était avec Will Smith. J'ai dit la puissance de l'influence. Tu pourras pas dire que je t'avais pas prévenu, hein, d'ailleurs. Soit dit en passant, ça fait je sais pas combien d'années là. Ça fait trop longtemps qu'en tout cas que je te dis, il n'y a pas plus puissant que d'avoir l'attention, en fait. Quand t'as l'attention, t'as l'influence. Quand t'as l'influence, il n'y a pas plus puissant, en fait. Si jamais t'as pas développé, que ce soit Instagram, YouTube, moi, je parle beaucoup de YouTube parce que je trouve que c'est un outil super puissant. C'est comme si t'as la chaîne de télé, en fait. Donc, à un moment donné, les gars, faut vous lancer, tu vois. T'as le lien de YouTube Money Machine où je te... juste en dessous de la description. Enfin, regarde bien, tu verras. Mais, les gars, je sais pas quoi vous dire. Bref. Et donc, du coup... Et Boris Becker, je l'ai vu avec Will Smith. Et quand j'ai eu, j'étais vraiment la puissance. Il a de l'influence, mais en France. Et son influence en France lui permet de pouvoir, ne serait-ce même d'être là avec Will Smith, comme ça, machin, même si c'est vite fait comme ça. Déjà, tu peux parler vite fait, même si c'est pas grand-chose, tu vois. Mais ça montre déjà les opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi. Et Boris Becker, c'est pas du jour au lendemain, tu vois. Ça fait un moment qu'il est là, qu'il charbonne, qu'il fait ses vidéos, etc., etc. Ça, et donc, du coup, il a construit la personne qui veut venir, parce que je crois qu'il veut devenir acteur, si je ne m'abuse. Ça se construit. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il est en train de construire aujourd'hui, enfin depuis des années, qui va devenir et s'il devient l'acteur qu'il veut devenir, etc. Tu vois? Mais ça se construit dès aujourd'hui. Donc, gars, tu auras beau réfléchir, si jamais tous les jours tu passes et que tu mets les... C'est pour ça que tu ne peux pas remettre à demain. Tu peux pas dire, je ferai demain. Non, parce que quand tu dis je ferai demain, tu es en train de repousser les résultats que tu veux réellement dans ta vie. Donc après, ça veut dire que quand même, tu as déjà dit dans ta tête qui tu veux devenir, quels sont tes objectifs, où tu aimerais vivre dans 5 ans, qui tu aimerais être dans 10 ans, avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes hobbies, comment tu occupes tes journées. Bon, tout ça, c'est la base, les gars. Ça, faut que tu l'écrives. Parce que si jamais tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas y aller. Ah non, mais si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas y aller. Mais ça te paraît logique comme ça, mais 87% de la population, ils ne savent pas où ils vont. Ils sont dans la vie comme ça, ils sont là, comme ça. Ils se prennent des gifles par la vie, ils vont là, une autre gifle, ils vont comme ça. Ils marchent comme ça, sans vraiment savoir où est-ce qu'ils vont. Tu vois, c'est comme s'ils rentrent dans un taxi, le taxi de la vie, et puis le gars lui dit on va quelque part de spécial. Non, juste roule. On est bon, tu roules et puis quand tu n'auras plus d'essence, ce sera la fin. Ah, voilà, non. Donc du coup, tout ça pour te dire que tu n'as pas le choix, tonton. Donc, arrête de trouver des excuses, arrête de remettre à demain des choses, décide qui tu veux devenir et construis ta vie dès aujourd'hui. Et c'est là que tu prends conscience du temps. Et c'est pour ça que tu comprends maintenant pourquoi je suis un psychopathe du temps. Je suis un psychopathe du temps parce que je sais que chaque minute, chaque heure, okay, chaque journée, chaque semaine, chaque mois, okay, si jamais je suis productif par rapport aux objectifs que je veux atteindre, si jamais je construis ma vie dès aujourd'hui, j'aurai la vie que je veux demain. Mais la plupart des gens, non. Il y en a, ils essayent. Ils essayent 1, 2 jours, 3 jours, et ils voient qu'il n'y a pas de résultat. Ah, mais tu sais, c'est bizarre. Toi, je suis à la salle pendant un mois, il n'y a rien qu'à bouger, je suis pas balèze et tout, je comprends pas. Ah, ça fonctionne pas, hop, ils arrêtent. Les gars, ils ont commencé un business pendant un mois. Je comprends pas, je suis pas millionnaire. Oh, j'arrête. Voilà, tu vois.
Alors qu'en fait, ça se construit. Et le truc, c'est qui est fort, c'est que quand tu travailles, genre, chaque jour, tu vois rien. Ça veut dire que clairement, tu vois rien. Hein. Quand, surtout, quand, YouTube, c'est un très bon exemple. Les premières vidéos, il n'y a personne. Chaque fois, tu dis, ouais, mais je n'ai pas de vue, ça ne me motive pas. Ah, bah oui, bah, c'est normal. Déjà, faut, tu te concentres. Ma technique, c'est de se concentrer sur les actions, pas sur les résultats. En premier temps, ne te concentre pas sur les résultats. Tu vois, concentre sur faire les choses. Et tu sais que tu es en train de construire quelque chose. C'est comme si tu mettais les premières briques, boum, boum. Une brique, deuxième brique, troisième brique. Et ça, ça marche pour tout, gars. Ça passe pour la musique. Quand tu commences la musique, tu fais commencer à faire tes premières gammes. Enfin, n'essaie pas, tu vas pas sonner. Tu vas pas commencer à faire un morceau. Enfin, je sais pas. Tu fais tes premières gammes. Que ce soit le sport, c'est pareil. Tu commences déjà à juste aller à la salle et pousser. Enfin, tu vois, manger, c'est pareil. Juste déjà commence à manger le matin bien. Le reste comme d'habitude, mais voilà, petit à petit. C'est pareil pour le business, tu vois. Tu construis, boum, une brique par brique. Surtout, en plus, YouTube, c'est un peu comme l'immobilier d'Internet. Hein. Boum, tu construis, et après, ça va tomber tout seul, tu vois. Et le truc, c'est que les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte parce qu'au début, tu galères, tu vois, genre, personne ne calcule tout ça, machin. Mais après, ça prend, c'est une inertie, ça prend. C'est pas genre, si par exemple, t'as pris 1000 abonnés la première année, la deuxième année, tu prends 1000 encore. Et la troisième année, 1000. Non, c'est pas comme ça. C'est genre 1000 années peut-être la première année, la deuxième année, 3000, après 5000, après, je donne des chiffres au hasard, après 10 000, après, tu vois. Mais c'est en fait, c'est un effet cumulé, tu vois, c'est effet boule de neige, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. On est ensemble, les gars. Hein, c'est ce que je voulais partager avec toi. Donc du coup, n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses. Ok, mais concrètement les gars, si jamais tu ne bouges pas dès aujourd'hui, si tu ne fais pas dès aujourd'hui maintenant là, ce que tu as à faire pour pouvoir construire le futur que tu veux, ça ne va jamais se passer. Le futur que tu veux, il commence dès aujourd'hui, il faut le construire maintenant. Il ne va pas arriver tout seul grâce au temps, le fameux « avec le temps ça ira » ou « avec le temps ça va se faire ». Mais non, le temps, c'est quoi, c'est un magicien le temps quoi. Je fais rien du tout le temps, frère. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je te rappelle que tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. Ok, donc Pirate Marketing, c'est toutes les stratégies qui vont te permettre d'atteindre les 5K par mois au minimum. Ok, et donc du coup, dedans, il y a mon responsable d'agence qui intervient, il y a commissaire au compte et expert comptable qui intervient, il y a moi évidemment, il y a YouTube Money Machine qui est intégré dedans. Il y a qui encore, il y a un expert SEO, il y a un copywriter. Donc en fait, je t'ai mis tout ce qu'il faut hein, pour que tu n'aies pas d'excuses voilà, et que tu puisses atteindre les 5K par mois. Parce que je te montre exactement comment, parce que ce n'est pas sur une seule source de revenus. C'est pour ça que je sais que tu pourras faire minimum 5K par mois parce qu'il y a différentes sources de revenus. Donc 500 là, 1000 euros là, de 1000 ici, machin, boum, tu fais 5K. Okay, c'est juste, des fois les gens pensent que ah, les gars, ils font de l'argent avec, ils ont une seule source de revenus. Bah non, c'est plusieurs sources de revenus. Parce que si tu n'as qu'une seule, c'est plus compliqué, tu vois. Et puis, il faut le faire de manière intelligente. Bref, tout est dans Pirate Marketing. Et donc, pourquoi tu peux y accéder sans sortir un euro de ta poche? Parce que la formation est éligible au CPF. Okay, donc, le CPF, je rappelle que c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement français qui te permet de pouvoir te former, en fait. Okay, pas gratuitement parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise ça, puisque eux, ils payent. Hein, c'est eux qui payent. Mais du coup, tu cotises tous les ans pour pouvoir te former en ligne. Okay, donc avec cet argent-là, donc ce qu'ils appellent un compte CPF, avec cet argent-là, eh ben, tu peux te former à toutes les formations qui sont éligibles au CPF. Eh ben, ça tombe bien, Pirate Marketing, il est. Donc du coup, c'est de l'argent que si tu n'utilises pas, tu perds. Okay, et ça, tu ne peux pas acheter une bicyclette avec ou une PlayStation. C'est pas possible en fait, c'est juste pour se former. Donc du coup, si tu ne sais pas comment faire, tu dis ouais, mais est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas? Déjà, ce qui est sûr, c'est que si tu es en dehors de la France, ben, tu peux pas être éligible puisque… Enfin, tu peux pas avoir de compte CPF puisque tu n'es pas en France. Parce que des fois, les gars, ils m'envoient des emails vous m'envoyez des DM, les gars. Ouais, mais du coup, nous, on est en dehors de la France. Bah, j'ai plus rien, les gars. Bah, à ce moment-là, vous pouvez acheter directement YouTube Money Machine. Vous pouvez aussi investir en vous, les gars. Voilà. Et par contre, si jamais tu es étudiant, bah, effectivement, tu n'as pas de CPF puisque tu n'as pas cotisé, tu n'as pas travaillé. Mais tous les autres, en général, vous avez CPF. Tu vois, c'est peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu sais, mais forcément, tu as, tu vois. Si jamais tu as déjà travaillé, si tu es en intérim, si tu es au chômage, enfin, tout ce que tu veux, si tu es entrepreneur, tu as cotisé. Ok, les gars? Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu mettras ton email, tu prendras rendez-vous, tu vas atterrir sur le calendrier, tu prends un rendez-vous avec Céline, elle fera le dossier pour toi, tu n'as rien à faire. Ok, on prend tout en compte, les gars. Tout est gratuit et on fait tout en compte. Pour toi, tu ne sors jamais ta CB. Et à la fin de l'appel, elle va te donner les accès à Pirate Marketing, tu n'auras rien à faire.
juste après à charbonner par contre. Ah bah oui, les gars, à un moment donné, il va bien falloir que vous travaillez. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Soyez ton camp. Et si tu fais rien, il va rien se passer demain. Ça, c'est sûr.